Hello à toi qui regarde cette vidéo, j'espère que tu vas bien. En ce vendredi 2 avril, on se retrouve pour La Pause, ton émission qui balaye l'actu ciné. Et aujourd'hui, on va parler de détectives privés, de studios d'animation, d'anecdotes de tournage et de démons terrifiants. C'est parti! On démarre l'émission du jour avec une news concernant le film policier À couteau tiré, un film qui est sorti en fin 2019 et qui était réalisé par Rian Johnson. Si comme moi vous avez beaucoup apprécié ce film dans lequel on avait Daniel Craig qui joue un détective privé un peu loufoque, vous allez être ravis puisque je vous disais récemment qu'il y allait avoir deux suites à couteau tiré. Sauf que là j'ai plus d'infos, on a Netflix qui vient d'acheter des droits de diffusion pour À couteau tiré 2 et 3, pour la modique somme de 400 millions de dollars. Dans le même temps, on a appris que À couteau tiré 2 démarrait son tournage très prochainement, le 28 juin. Pour le moment, on n'a aucune info quant au casting, puisque, comme je vous l'avais expliqué, ce À couteau tiré 2 fera complètement table rase de ce qu'on avait vu dans À couteau tiré premier du nom. Un casting complètement différent, une nouvelle affaire. Le point, le fil rouge en fait de cette saga, c'est le personnage de Benoît Blanc. Un personnage que je ne sais pas vous, mais que personnellement j'avais beaucoup apprécié. Un nouveau détective avec une vraie personnalité, ça faisait vraiment du bien. Sachant que ici, Netflix pour ses suites, ils veulent toujours placer le curseur aussi haut que le premier opus, avec un casting encore 5 étoiles. Alors pour l'instant on n'a pas de nom de dévoilé, ça devrait arriver très prochainement. Tout ce qu'on sait c'est bien évidemment que Daniel Craig sera de retour, et pour justifier le fait que le film ce soit une suite mais qu'on change les personnages, cette fois le film se déroulera pas aux États-Unis, mais il va voyager puisqu'il sera tourné en Grèce. Si vous êtes passé à côté de ce À couteau tiré, je ne saurais vous conseiller de le regarder. Honnêtement, vous allez prendre énormément de plaisir si vous aimez les films enquête avec des personnages hauts en couleur, c'est le film parfait. Sachant que c'était un film qui mélangeait à la fois le style de Hercule Poirot avec les meurtres d'Agatha Christie, très british et un petit peu vintage dans une époque très moderne. Concernant la suite d'À couteau tiré, il ne sera pas intitulé À couteau tiré 2, Rian Johnson, le réalisateur du premier opus, qui sera de retour derrière la caméra pour le 2 et normalement pour le 3ème opus, veut changer le nom parce qu'il veut complètement que ce soit une trilogie mais avec des films indépendants. Je ne sais pas vous mais j'ai réellement hâte de découvrir cette suite sur Netflix et vous dites-moi en commentaire si ça vous tente. On continue l'émission du jour en parlant du studio d'animation Pixar et plus précisément de ses salariés. Si vous êtes abonné de la plateforme Disney+, vous avez certainement vu qu'à cause du Covid, on a pas mal de films qui à la base devaient sortir en salle et qui se retrouvaient finalement diffusés directement sur Disney+. Et cette situation, ça impacte les salariés à la fois de Disney, mais aussi de Pixar. On a notamment eu le film Mulan, Soul, le Pixar de décembre, ou encore Raya et le dernier dragon qui est sorti aux États-Unis mais pas encore en France. Ces films-là étaient proposés parfois avec un surcoût de 30$ aux abonnés. Et cette situation, les salariés de Pixar, ils la regrettent énormément. Quand Soul est sorti, c'était un film Pixar, il n'a pas été présenté avec un surcoût de 30$, contrairement à Mulan et à Raya et le dernier dragon. Et si je vous dis que les salariés de Pixar, ils sont très démotivés et démoralisés, c'est parce que, selon eux, c'est pas normal que Disney propose certains films avec un surcoût, mais que les films liés à Pixar soient présentés sans aucun paiement en plus. Parce que ça voudrait dire que la qualité des films Pixar est moindre et ne justifierait pas de payer quelques euros supplémentaires. C'est vrai qu'on pourrait comprendre un petit peu ce sentiment de la part des salariés de Pixar, qui peuvent se dire ça, ils sont en droit de se le dire, sachant que quand on voit la qualité de leurs films, ils n'ont plus rien à prouver. Et Lucas, qui doit sortir le 18 juin prochain sur la plateforme, n'est pas exempt, puisque lui non plus ne sera pas proposé avec un surcoût, contrairement à Raya le dernier dragon qui est sorti le mois dernier. Au final, dans cette histoire, les grands gagnants, c'est vous et moi, les abonnés de Disney+, qui forcément n'ont pas à payer de surcoût, juste le prix de leur abonnement pour bénéficier de nouveaux films qu'ils auraient dû aller voir au cinéma. D'ailleurs, toi qui regardes cette vidéo, j'attends ton avis concernant cette situation. Est-ce que tu penses que le sentiment des salariés de Pixar est justifié? Ou qu'au contraire, c'est Disney, c'est Pixar, ils gagnent déjà beaucoup d'argent avec les abonnements et les produits dérivés, ce serait un petit peu abusif de proposer le film avec un surcoût supplémentaire, dis-le-moi. La news qui suit nous vient de la magnifique actrice des années 90, Sharon Stone, qui vient de publier ses mémoires « The Beauty of Living Twice ». Et si je vous en parle, c'est parce que dedans, elle en profite pour raconter des anecdotes de tournage, revenir aussi sur sa vie intime, les problèmes qu'elle a pu avoir, notamment des violences vécues dans son enfance.
mais aussi sur le tournage d'un film en 1995, Mort ou Vif. Si on revient 26 ans en arrière, en 95 sortait Mort ou Vif, un film western réalisé par Sam Raimi dans lequel on avait Sharon Stone, Gene Hackman, mais encore Leonardo DiCaprio. Il faut savoir que lorsque le film est sorti, Leonardo DiCaprio est tout jeune, il a 21 ans, et il a déjà fait 6 films dont Gilbert Grapp, dont sa prestation a été reconnue. Sauf que, à l'époque, les producteurs, et notamment Tristar Pictures, eh ben le DiCaprio, ils le voyaient pas forcément d'un si bon œil. Si on se remet dans le contexte, DiCaprio, à l'époque, 21 ans, il est encore tout jeune, il a encore toute sa carrière à faire à Hollywood, il n'a pas encore joué dans Titanic, et ce n'est pas le nom aussi célèbre que l'on connaît actuellement. Et les producteurs étaient plutôt frileux à l'idée de le mettre dans un nouveau film. Sauf que Sharon Stone, elle a vu les essais de l'acteur pour Mort ou Vif, et elle s'est dit que c'était absolument lui qui devait avoir le rôle qu'on a vu dans le film. Les producteurs, se disant « Attends, nous on veut pas prendre de risques, ça nous coûte énormément d'argent », ils ont carrément dit à Sharon Stone que si elle voulait vraiment que DiCaprio joue dans le film, elle devrait le payer avec son propre salaire. Et c'est ce qu'elle a fait. Une situation pour le moins étonnante, et ce que je dirais, c'est que plusieurs années après, bah, je trouve ça bizarre que DiCaprio ne soit jamais revenu sur cet épisode. Il aurait pu mettre en avant Sharon Stone, tout comme moi personnellement je veux le faire par le biais de cette vidéo, je salue son action. Au passage, si vous n'avez pas vu le film Mort ou Vif de Sam Raimi, je ne peux que vous conseiller de le regarder. Vous verrez, c'est un western très sympathique, dans lequel on a une Sharon Stone qui décide de venger suite au décès de son père lorsqu'elle était plus jeune. Il y a de l'action, il y a des duels, c'est ultra bien réalisé. Franchement, allez-y, c'est un très bon plaisir. Je ne sais pas vous dire s'il est sur Netflix, je n'ai pas regardé, mais si vous avez l'occasion de le regarder, foncez. Ce soir, je vous propose le film Allié avec Brad Pitt et Marion Cotillard sur Netflix. Ce film qui est sorti à la fin de 2016 est réalisé par Robert Zemeckis et nous raconte l'histoire de Max, interprété par Brad Pitt, qui est un espion canadien, mais aussi de Marianne, interprétée par Marion Cotillard, qui est une espionne française. Les deux espions vont devoir travailler ensemble et faire semblant qu'ils sont en couple. Tout cela, c'est pour les besoins d'une mission, et forcément, bah, les deux, ils vont tomber amoureux. Ils vont, à la suite de cela, fonder une famille, vivre des temps paisibles, jusqu'au jour où le passé d'un des personnages va revenir. On soupçonne en effet Marianne d'être en fait une espionne qui travaillerait pour les nazis. À la suite de ça, et donc c'est quasiment les trois quarts du film, on va avoir le combat de Brad Pitt pour prouver l'innocence de Marianne. Si je vous conseille énormément ce film, c'est tout bonnement parce que c'est à la fois un film d'espionnage, un drame, mais aussi un film de guerre, et qu'il joue énormément avec le spectateur. Pendant tout le film qui dure à peu près 2 heures, on est paumé, on en vient même à tout remettre en question, le doute est semé dans la tête du spectateur, et on essaye de démêler le vrai du faux. Est-ce que Marianne est coupable? Est-elle innocente? Tout porte à croire que oui, mais non, mais oui, mais non. Je vous ai dit que c'est réalisé par Robert Zemeckis, alors très honnêtement, ce n'est pas son film le plus marquant, mais c'est quand même ultra qualitatif. On a un duo qui fonctionne à merveille avec un Brad Pitt et un Marion Cotillard en pleine forme, pour un duo plutôt sensuel. En bref, vous aurez compris que devant ce film, on ne s'ennuie pas, on passe un très bon moment, et ça alterne film de guerre et espionnage, un très bon moment de cinéma en perspective que je vous conseille pour ce soir. On se quitte avec une news concernant le réalisateur sud-africain Neil Blomkamp, dont le film District 9 va bientôt avoir une suite. Aujourd'hui, ce n'est pas pour vous parler de District 9 que j'aborde le sujet de Neil Blomkamp, mais c'est pour vous parler de son prochain film qui devrait sortir cet été. Le réalisateur vient en effet d'officialiser son nouveau film, Démonique, qui, si tout va bien, devrait sortir le 20 août prochain sur nos écrans. Ce Démonique, ce sera le premier film d'horreur de Neil Blomkamp, dans lequel on verra des démons terrifiants et des forces surnaturelles, pour le plus grand plaisir des spectateurs qui voudront se faire peur au cinéma. Sachant que Neil Blomkamp, si vous avez déjà regardé ses films, que ce soit District 9, Chappie ou Elysium, vous avez vu que c'est un réalisateur très original, qui a une patte graphique très marquée, il a une vraie identité, ça peut être prometteur pour un film d'horreur, en tout cas on verra ça très prochainement. En plus, ce Démonique, ça marquera le grand retour de Neil Blomkamp au cinéma, puisque ça fait 6 ans qu'il n'avait pas sorti de film avec Chappie en 2015, ça fait du bien de le revoir. En plus de ça, il avait beaucoup de projets qui ont été avortés depuis, notamment un Alien 5 dont on avait eu plusieurs visuels, et honnêtement si vous êtes fan de la saga, ça mettait énormément l'eau à la bouche, et aussi le réalisateur aurait dû faire un reboot de Robocop, mais ça ne verra malheureusement pas le jour. Bon nombre de projets avortés pour réalisateur, et des projets plus que prometteurs. C'est pour ça, en tout cas, ce film d'horreur on le verra cet été,
Avec plaisir, si toutefois on peut le découvrir en salle. Et voilà, l'émission du jour est terminée, j'espère que ça vous a plu. Pour m'aider à développer la chaîne, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite un excellent week-end, profitez s'il fait beau, et puis on se retrouvera la semaine prochaine, mercredi, pour une nouvelle vidéo en forme, en bonne humeur et avec toujours des très bonnes news. Ciao ciao! See you next time!